J'aime très bien cette citation de Walter Scott, voilà, qui dit il n'y a rien de plus dangereux que l'enthousiasme sans capacité. Donc les gars, je viens comme ça répondre encore à une question parce que c'est une question qui revient au niveau du canal Telegram, au niveau du groupe WhatsApp et sur YouTube. Donc plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir comment lier l'application Satoshi à MetaMask. Donc j'avais déjà fait cette vidéo là, je vous avais montré comment il fallait lier l'adresse déjà, et aujourd'hui je vais vous montrer comment rattacher l'adresse MetaMask, votre adresse MetaMask au portefeuille à l'application Satoshi. Donc voici MetaMask ici, c'est l'adresse que je vous avais déjà montré comment il fallait attacher. Donc c'est l'adresse core ici, voilà l'adresse core qui est déjà visible, il est déjà intégré dans ce portefeuille. Maintenant il est question de rattacher cela à l'application Satoshi. Donc les gars, avant de continuer, je tiens à remercier toute la communauté, merci encore pour tout ce que vous faites, merci encore pour votre soutien, pour les dons que vous effectuez. Voilà, la plupart des dons que nous recevons sont en tronc, voilà, il y a pas mal de troncs qui entrent également du BNB. Merci encore à tous ceux-là qui font cela pour soutenir la chaîne. Et je tiens à rappeler que pour ceux qui ne savent pas encore, la chaîne Web Entrepreneur Web 3.0 est connecté déjà à une boutique online, une boutique qui vend pas mal de vêtements. Voilà, donc vous pouvez aller faire un tour, voilà, choisir ce qui vous plaît et acheter. Donc les gars, et pour ceux qui viennent nous prendre la main, sachez qu'ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de metaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons comme ça d'éducation financière, nous parlons également d'investissement dans l'écosystème des crypto-monnaies, nous parlons également de l'investissement dans l'immobilier. Et sache qu'aujourd'hui tu peux investir dans l'immobilier juste avec 10$, tu peux investir dans l'immobilier, 10€, tu peux investir dans l'immobilier et avoir des revenus tous les mois. Donc si tu veux en savoir plus, essaie d'interagir avec nous en commentaire et nous allons te mettre sur le chemin. Donc voici le projet Core. C'est un projet que j'ai longuement partagé dans ce canal. Donc depuis plusieurs mois, je partage des informations clés et pratiques. Voilà. Et d'ici le 6 février, les premiers retraits seront disponibles. Voilà. Et ceux qui seront éligibles à pouvoir effectuer ces retraits là, ce seront des personnes qui auront fait la mise à jour de leur plateforme, de leur application, qui auront lié leurs différentes adresses. Voilà, et j'ai déjà détaillé cela dans plusieurs vidéos. Donc allez regarder cette vidéo là dans la playlist, vous allez voir toutes ces vidéos là où je laisserai les liens en commentaire. Voilà, tout d'abord je vais d'abord récupérer les airdrops qui sont en cours parce que j'ai 6 cycles d'airdrops déjà exploités là que je vais récupérer tout de suite, c'est fait. Voilà, il faut savoir qu'actuellement il y a un airdrop, il y a un free airdrop. Voilà, maintenant pour lier son adresse MetaMask, pour lier son adresse, l'adresse de son portefeuille à l'adresse de son portefeuille à l'application Satoshi, ce qu'il faut faire, il faut juste venir ici sur vous venez là sur profil, ou venez ici sur projet. Pas de fou, il y a deux possibilités. Soit vous cliquez sur corps ici. Voilà, vous allez cliquer ici sur le score solde. Voilà, vous voyez maintenant. Si vous n'avez pas fait de mise à jour, vous n'allez pas avoir cet onglet ici. Vous n'allez pas voir cela. Donc, faites la mise à jour pour déjà avoir cet onglet. Voilà, là maintenant, je vais cliquer sur lier. Voilà, maintenant, je vais venir ici coller l'adresse MetaMask et mon mot de passe est actif. Donc vous devez être très très précis, ne faites aucune erreur, et également vous devez lire toutes ces informations qui s'y trouvent là. C'est très très important. Voilà, pour ceux qui refusent souvent de lire là, c'est très très important, vous devez lire toutes ces informations aussi, c'est très très utile pour vous. Voilà, c'est comment on fait. Je vais aller maintenant sur MetaMask. Je vais aller sur MetaMask ici. Je suis sur MetaMask. Je me connecte. Voilà, sur MetaMask ici. Je suis connecté sur MetaMask. Voilà. Je vais cliquer sur quoi? Je vais cliquer maintenant sur recevoir. Ok, ça va. Je vais copier l'adresse. Je vais copier l'adresse. Ok, l'adresse a été copiée. Voilà. Je viens ici. Je colle mon adresse MetaMask. Voilà, c'est fait. Une fois que mon adresse est collée, je vais saisir le mot de passe de l'actif. Voilà. Et c'est le mot de passe de l'actif. Donc je mets la pause d'abord. Voilà, une fois que le mot de passe de l'actif a été intégré, voilà, je vais maintenant cliquer sur
Colis une adresse liée, une adresse de retrait, ok, c'est fait, l'adresse a été liée. Voilà, on dit ici, l'adresse a été effectuée avec succès. On me demande de vérifier quoi cette adresse, ok, je vérifie, ok, c'est bon, voilà. Voilà, on dit là maintenant je vais recevoir une adresse, je vais recevoir un code dans l'adresse email que j'ai utilisée au départ. Voilà, je vais recevoir un code tout de suite là. Je vais recevoir un code tout de suite là. Je vais aller sur. Je vais recevoir cela. Je vais me connecter directement sur mon ordinateur. Ok, ça va, c'est arrivé. C'est arrivé. Donc, je vais venir mettre le code ici. C'est un code à 6 chiffres. Je vais mettre le code ici. Là, je mets le code là. C'est 86. Voilà, 79. Ok. Là, je vais aller. Parce que j'ai 30 secondes pour faire cela. Ok. Mais là, maintenant, je vais maintenant passer à la deuxième étape. Je vais faire ce qu'on appelle la vérification faciale. Vérification faciale. Donc, je vais mettre pause pour. Oh, je vais mettre pause et je vous reviens lorsque j'ai traversé cette étape. C'est très très important. Et ici, il y a un élément dont vous, le cas que vous avez effectué lors de la création de votre application Satoshi. Vous devez, ça doit être la même personne. Voilà, ne vous amusez pas à aller faire du n'importe quoi, sinon votre compte sera bloqué. Voilà. Et une chose aussi à rappeler est que l'adresse du portefeuille doit être identique. Donc, vous ne devez pas envoyer votre adresse à un tiers pour pouvoir recevoir des cryptos. Non, non, ne faites pas ça. Sinon, vous serez bloqués tous les deux. Voilà. Donc, là, je vais maintenant passer à la vérification spatiale. Je me pose et je vous reviens. Collez votre adresse. Collez votre adresse. Ah, c'est ce que je voulais dire. Collez l'adresse de retrait avec succès. Donc, l'adresse a été liée avec succès. Voilà. Donc, là, je vais maintenant fermer. Et là, je vous reviens tantôt. Ah, je vous reviens, voilà, je ferme. Voilà, donc, ce qui est très très important. Donc, vous devez lire toutes ces informations ici. Vous devez lire toutes ces informations ici. Voilà, donc, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Non, j'ai terminé cette étape-ci. Donc, vous devez lier votre adresse avant le 6 février, autant pour moi. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et plus c'est tout.